Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de comédie intitulé No String Attached. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film se déroule il y a 15 ans, lorsqu'Adam et Emma se rencontrent pour la première fois lors d'un camp de vacances au lycée. Les parents d'Adam sont en train de divorcer et cela a été dur pour lui, mais Emma le réconforte ce soir-là. 10 ans plus tard, Emma participe à une fête de fraternité avec son ami Patrice. Adam est également présent avec son amie Ellie. Il repère Emma et va vers elle. Ils parlent de leur vie et Adam lui dit qu'elle lui plaît. Emma, de son côté, va plus loin et lui demande de l'accompagner lors d'un truc de famille. Le truc familial s'avère être l'enterrement du père d'Emma et Adam est là pour elle. Après l'enterrement, il rencontre sa famille et Emma le remercie d'être resté dans les parages. Adam veut la revoir mais elle lui dit qu'il devrait rester loin d'elle pour son propre bien. Mais le plan ne fonctionne pas. 4 ans plus tard, Adam traîne avec Ellie quand il voit Patrice. Emma est aussi là et elle dit qu'elle travaille à l'hôpital local. Emma ressent des sentiments pour Adam mais il est là avec sa petite amie Vanessa. Cette rencontre se termine par le fait qu'Adam obtient le numéro d'Emma au cas où il voudrait rattraper le temps perdu un jour. 1 an plus tard, Adam travaille sur le plateau d'une émission de télévision musicale. L'émission se passe très bien et Adam apprécie son rôle d'assistant. Après la fin du tournage, il se rend chez son père Alvin, en banlieue. Alvin est un célèbre acteur à la retraite et il aime traîner et fumer de l'herbe avec son fils. Pendant qu'il fume, Adam montre à Alvin un épisode qu'il a écrit et lui demande son avis. Il partage aussi que depuis sa rupture avec Vanessa, il n'est avec personne. Ils sont encore en train d'en parler quand tout à coup, Vanessa arrive en courant. Adam est confus et il se sent mal quand il apprend que son père sort avec son ex-copine. Alvin essaie de lui trouver des excuses, mais Adam lui donne un coup de poing dans l'estomac et part. Il évacue sa frustration en traînant avec ses amis. Il se moque de lui et le taquine mais Adam réfléchit à un plan. Il appelle toutes les filles de sa liste de contacts pour obtenir un rendez-vous. Il boit aussi beaucoup et au moment où il part, il ne peut même plus marcher. Il se réveille le lendemain dans un appartement étrange où des gens le taquinent. Il est nu et Patrice est aussi là se moque de lui. C'est alors qu'Emma arrive et l'emmène dans sa chambre où il a laissé son pantalon. Elle lui explique comment il est venu chez elle et a parlé de son père et de tout. Cela ne l'a pas dérangé de le voir comme ça et elle lui dit que les choses iront mieux. Les choses vont effectivement s'améliorer car ils commencent tous les deux à s'embrasser. Après leur minute romantique, Emma lui dit qu'ils ne doivent parler de cela à personne. Plus tard dans la journée, Adam déjeune avec Ellie et essaie d'appeler Emma qui ne répond pas à ses SMS. Il la voit avec son collègue Sam mais elle agit différemment. Il ne sait pas quoi faire et demande l'avis d'Ellie. Ellie lui dit de lui parler. Adam se rend à l'hôpital d'Emma, lui donne un ballon et lui demande si elle aimerait qu'on se revoie. Emma est confuse et elle le repousse mais Patrice n'aime pas son comportement. Elle dit qu'Adam est un bon gars et qu'Emma ne devrait pas le traiter comme ça. Ce soir-là, Adam traîne avec ses amis quand, tout à coup, il reçoit un SMS d'Emma lui demandant de le retrouver dans 30 minutes. Il se retrouve chez lui et passe un bon moment mais Emma n'aime pas qu'Adam la prenne dans ses bras. Elle dit qu'elle ne veut pas de petite amie car elle est trop occupée pour le moment. Cependant, elle aimerait se voir de temps en temps et Adam est d'accord pour cette situation d'ami avec avantage. Quand Emma part, Adam lui dit que ce scénario ne fonctionnera pas car elle finira par tomber amoureuse de lui. Emma ne le pense pas. Au contraire, elle profite de cette relation insouciante avec Adam où ils se rencontrent quand ils le veulent sans se retenir. Puis un jour, ils font tous un pique-nique dans le parc mais Adam est jaloux après avoir vu Emma rire avec Sam. Celle-ci dit à Adam qu'elle ne lui appartient pas et qu'il ne devrait donc pas être jaloux. Pourtant, Adam éprouve du ressentiment envers Sam et l'exprime en lui faisant des remarques désagréables. Sam répond en déclarant qu'il est un bien meilleur choix pour Emma car il a une grande carrière devant lui. Quelques jours plus tard, Adam reçoit son scénario de retour de son père. Ellie dit qu'Alvin a en fait aimé le script, alors Adam décide de le présenter à sa productrice. Elle lui fait comprendre qu'elle n'a pas besoin d'autres scénaristes. Lucy, la productrice adjointe, aime bien Adam et accepte de jeter un coup d'œil au script. Pendant ce temps, Emma retrouve sa jeune sœur Cathy qui se marie. Emma pense que Cathy est trop jeune pour se marier. Cette dernière dit qu'elle a trouvé l'homme parfait alors il ne sert à rien d'attendre plus longtemps. Adam rend visite à Emma avec une boîte de muffins. Il finit par passer la nuit avec elle. Elle se réveille pour trouver Adam en train de la câliner. Emma le réveille et lui dit de partir parce qu'elle est paniquée après ce geste romantique. Elle lui suggère également de faire une pause et lui dit de sortir avec d'autres filles. Les amis d'Adam entendent parler de cela et pensent aussi que c'est une bonne idée pour Adam de rencontrer d'autres personnes. Ainsi, la veille du nouvel an, Adam traîne avec ses amis tandis qu'Emma assiste à une fête au bureau.
Elle se sent seule et elle est extrêmement ivre, ce qui provoque des scènes embarrassantes pour elle. Les choses empirent pour elle lorsqu'elle reçoit une photo d'Adam qui est assis à côté de deux filles à l'air excité. Cela rend Emma extrêmement furieuse et elle devient encore plus jalouse après avoir vu Patrice danser avec Ellie. Finalement, elle décide d'aller chez Adam. Là-bas, Emma trouve Adam en train de traîner avec les filles et elle perd les pédales. Elle les oblige à sortir en étant extrêmement agaçante et violente. Elle passe ensuite la nuit avec Adam et lui dit aussi de ne plus la rendre jalouse. Et c'est comme ça que leur relation bizarre recommence. Puis le jour de l'anniversaire d'Adam, il entre sur le plateau pour découvrir que ses collègues ont organisé une fête d'anniversaire pour lui. Alvin est également présent et il joue du piano et prend des selfies avec ses fans. Il demande à Adam de dîner avec lui et Vanessa. Cela énerve tellement Adam qu'il se blesse la main en frappant le mur. Il doit se rendre à l'hôpital où Emma lui demande ce qui s'est passé. Adam lui raconte toute l'histoire et la supplie de se joindre à lui pour le dîner. Ils se rendent dans un restaurant chic et rencontrent Alvin et Vanessa. Alvin dit à son fils qu'il veut avoir un enfant avec Vanessa et qu'il voulait partager cette bonne nouvelle. Adam est lourdement sédaté et après avoir entendu cela, il commence à se frapper la tête. Emma dit à Alvin qu'il devrait essayer de comprendre à quel point toute cette situation est horrible pour Adam. Elle reproche aussi à Vanessa d'avoir quitté Adam pour un homme plus âgé. Après cela, elle emmène Adam dîner dans un autre endroit. Adam la remercie pour la soirée et il lui demande également d'aller à un vrai rendez-vous avec lui le jour de la Saint-Valentin. À sa grande surprise, Emma dit oui. Ce week-end-là, Adam vient la chercher à l'hôpital. Il l'emmène sur un terrain de golf miniature et Emma s'amuse beaucoup. Ils partagent même un milkshake et parlent de toutes les petites choses folles. Emma apprécie tout cela mais pour une raison quelconque, elle se sent aussi stressée. Elle dit à Adam qu'elle ne peut pas aller à des rendez-vous car elle ne veut pas être coincée dans une relation. Adam, de son côté, lui dit qu'il l'aime et cela met Emma en colère et elle commence à se disputer avec lui. Lorsqu'Adam dépose Emma à l'hôpital ce soir-là, il lui dit qu'il ne pourra plus faire de rencontres occasionnelles. Il rentre ensuite chez lui et trouve Lucie qui l'attend. Elle lui dit que son scénario a été approuvé par le producteur et cela remonte le moral d'Adam. 6 semaines plus tard, Emma se sent toujours mal à propos de cette nuit et elle se sent seule. Elle se rend au dîner de répétition du mariage de Cathy lorsqu'elle apprend que l'émission d'Adam est enregistrée. Lors de l'enregistrement, les amis d'Adam traînent avec des célébrités et ils l'encouragent à sortir avec Lucie car elle l'apprécie clairement. Emma, de son côté, parle à Cathy qui lui dit qu'elle devrait essayer de se remettre avec Adam car c'est un type tellement génial. Emma se sent triste et après avoir écouté les conseils de Cathy, elle appelle Adam mais il lui dit que tout est fini entre eux et qu'il ne veut plus être avec elle. Au lieu de cela, il sort avec Lucie. Emma conduit pendant 2 heures pour se rendre chez Adam car elle veut lui dire ce qu'elle ressent. Cependant, elle voit Adam avec Lucie et se rend compte qu'elle a perdu sa chance. Cette nuit-là, Adam est en train de devenir intime avec Lucie quand il reçoit un appel de Vanessa qui lui dit que son père est à l'hôpital. Adam s'y rend et trouve Vanessa debout à la sortie. Elle lui explique qu'Alvin a fait une overdose après avoir bu un étrange cocktail de sirop pour la toux. Elle dit qu'elle ne veut plus être avec Alvin car il est trop vieux pour elle. Elle va à une fête et laisse même son chien derrière elle. Adam va à l'intérieur pour trouver son père qui se sent mieux maintenant. Alvin demande des nouvelles d'Emma et Adam lui raconte comment il a terminé les choses avec Emma. Alvin dit à son fils que parfois on n'a pas le choix de la personne dont on tombe amoureux, alors il devrait donner une autre chance à Emma si elle l'a vraiment rendu heureux. Adam pense à ce que son père a dit en quittant l'hôpital et il essaie d'appeler Emma mais elle se trouve déjà dehors. Elle lui dit qu'elle a entendu parler de la santé d'Alvin par ses collègues et qu'elle s'est précipitée. Elle s'excuse pour la façon dont elle s'est comportée. Elle lui dit aussi qu'elle l'a aimé dès le premier jour mais qu'elle avait juste peur d'exprimer ses sentiments. Elle demande une autre chance et il la serre dans ses bras. Après avoir pris un petit déjeuner le lendemain matin, ils partent en voiture pour assister au mariage de Cathy. Le film se termine en expliquant comment Alvin a retrouvé l'amour, cette fois avec Lucie. Ellie a également présenté Patrice à ses parents homosexuels. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.